الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Si les portes de la mosquée sont fermées, les portes d'Allah ne se ferment jamais. Si on ne peut pas faire la prière en groupe à la mosquée, n'oublions pas que l'adoration d'Allah n'est pas limitée à la mosquée. Crains Allah où que tu sois. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont fait la prière avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant longtemps, sans mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Dieu a fait de la terre un lieu d'adoration. Il y a un moyen de purification rituelle pour nous. Là, il parle de tayammum. Ainsi, tout homme de ma communauté peut faire sa prière où il se trouve, dès qu'il est l'heure de prier. Allah, il nous dit dans le Coran, « Il est avec vous, où que vous soyez. » Il a été rapporté dans les deux hadiths authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « À partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre. » Et Allah dit « J'exauce les invocations de celui qui m'invoque, je donne à celui qui me demande et je pardonne à celui qui me demande le pardon. » Le verset du Coran dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. Ne sois pas triste, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve. Rien d'autre que la foi en Allah, la confiance en Allah, Azza wa Jal. C'est cette foi qui peut nous procurer à l'âme la paix intérieure, tout en dissipant ses peines et ses chagrins. C'est vers Allah qu'on se dirige pendant le moment difficile, pendant les moments du besoin. C'est lui, Azza wa Jal, qui peut nous aider et qui peut nous sauver. Par son éloge, les cœurs se soulagent, les âmes s'apaisent. Chers frères, chères sœurs, ce qui devait arriver est arrivé. Les destins se sont tracés. Allah il nous dit, rien ne peut nous toucher sauf ce que Allah a décidé pour nous. قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Et dans le hadith de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, sache que celui qui t'a manqué ne t'était pas destiné. Et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. N'oublie pas aussi pendant les moments difficiles, pendant les moments des épreuves, n'oublions pas les grâces d'Allah. Chers frères, chères sœurs, ne devons pas oublier tous les bienfaits d'Allah subhanahu azza wa jal. Allah il nous dit, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Console-toi aussi en pensant à tous ceux qui sont éprouvés dans ce monde, à ceux qui souffrent au quotidien, à ceux qui souffrent en silence, à ceux sur qui les épreuves se sont enchaînées. Alhamdulillah, alladhi faddalana ala kathirin min khalqih. Alhamdulillah, alladhi afana mimma btala bihi kathirin min khalqih. Allah nous a épargné de certaines épreuves qui ont été destinés pour d'autres personnes qui souffrent dans ce bon monde. Il faut penser à ceux qui sont touchés par la pauvreté, qui sont endettés,
ceux qui connaissent la solitude, qu'ils ont été délaissés par leur famille, par leurs amis, aux malades auxquels les médecins ne trouvent pas de soins, pas de solution, à tous ceux qui ne peuvent même pas connaître les plus simples plaisirs de la vie. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ne sois pas triste, après la difficulté, il y a la facilité. Inna ma'al usri yusra. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم إنه هو الغفور الرحيم اللهم يا رب الطف بنا بلطفك وارحمنا برحمتك اللهم ارفع عنا هذا البلاء بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأحبابنا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour je peux adorer, le seul qui m'écoute, qui peut toujours m'aider, le seul qui nous a promis un jour de l'approcher, le seul qui a su me remettre sur le chemin vrai. L'unique divinité en qui toute ma vie je croirai. L'unique divinité en qui toute ma vie je croirai. Je veux te dire, Ya Rabbi, que nulle naissance est ignorée. Te dire aussi, Ya Rabbi, que toute ma vie t'est consacrée. Je te demande de m'éloigner de celui qui a osé t'oublier. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes frères et sœurs de la ville de Reims et de la mosquée de Reims, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allons méditer aujourd'hui sur un verset magnifique de Surat Taha, qui est le premier verset de cette belle surah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu souffres. En ce début de mois béni de Ramadan, il faut revenir à l'essentiel. En ces temps de bonheur, car en réalité nous vivons un bonheur. Le mois de Ramadan est l'une des grandes miséricordes d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Même en temps d'épreuve, en ces temps difficiles, nous vivons certainement les meilleurs moments de l'année, peut-être les meilleurs moments de notre vie. « وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah sauve du feu de l'enfer des personnes, des gens à chaque nuit de Ramadan. Peut-être que cette nuit, Allah Azza wa Jal va nous sauver et va nous protéger de cela. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahfadhana wa iyyakum. Revenir à l'essentiel qui est notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Notre relation avec Al-Mawla tout subhanah, qui nous a donné Al-Qur'an, qui nous a donné l'Islam, qui nous a donné la foi, non pas pour qu'on soit malheureux, comme nous le dit le verset, mais pour notre bonheur, pour notre félicité. « Man arada al-falaha, wa man arada al-dunya fa'alayhi bil-iman » Un proverbe disait: celui qui recherche le bonheur dans cette vie, alors il va le trouver dans la foi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ. Et celui qui recherche l'au-delà, il va trouver l'au-delà grâce à la foi. Et celui qui recherche la vie, le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà, il va trouver tout cela avec l'iman. L'essentiel, cette relation avec Al-Mawla Tabaraka wa Ta'ala. « Law alimna kayfa yudabbiru Allahu shu'unana » disait un ascète.
Si on découvre comment Allah tabaraka wa ta'ala gère notre quotidien, administre notre vie, la dhubna hubban lillahi subhanahu, on aurait fondu par amour pour lui subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne, mes frères, mes chers frères et sœurs, il n'y a personne sur cette terre qui apprenne à connaître Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne puisse l'aimer. On ne peut pas détester Allah tabaraka wa ta'ala quand on apprend à l'aimer, à le connaître, à connaître ses attributs, à connaître la grandeur de ses qualités, la grandeur de sa miséricorde, la grandeur de sa clémence, la grandeur de son amour pour nous. Man arafa Allah ahabba wa man ahabbahu ata'a. Celui qui apprenne à connaître Allah, il va l'aimer. Et celui qui va l'aimer, il va l'écouter, il va lui obéir. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Atteindriez-vous ainsi la foi, la piété plutôt? Et la piété, أيها الأحباب, est l'une des œuvres les plus importantes, les plus aimées, les plus appréciées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est même l'excellence recherchée. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, lui te voit, سبحانه وتعالى. C'est ça la piété. أن تجعل الله في بالك في كل حالك في ليلك ونهارك. Que tu places Allah, que tu vives en ayant conscience que Allah te regarde, que Allah t'observe, que Allah connaît tes moindres faits et gestes, que tu vives avec cette conscience. C'est cela la piété, c'est cela l'une des meilleures actions. C'est même l'action la plus recherchée et qui est le but de beaucoup de nos adorations, de nos ibadat. Et donc, l'essentiel, c'est de revenir à Allah Azzawajal. Et quand l'essentiel, plutôt, excusez-moi, c'est notre rapport, c'est notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est cette relation de confiance, cette relation d'amour, cette relation où l'on croit au plus profond de nous-mêmes que Allah souhaite notre bonheur et souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, quand ce rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala, quand cette relation est saine, alors l'élan vers le bien, l'élan vers les bonnes actions sera là. Et le croyant fera beaucoup de bien et sans qu'il ressente une certaine lourdeur dans cela. D'ailleurs, j'ai tout récemment vu sur les réseaux sociaux un commentaire qui disait allez hop et voilà une journée qui est terminée. C'est-à-dire on se plaint de Ramadan, on se plaint de de ces journées de bonheur, de ces journées de proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que on a un petit peu faim, ou alors on a un petit peu soif, ou alors on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire, les excès dans lesquels on vit toute l'année, à cause de ce petit bouleversement positif, hein, bien sûr, on croit qu'il est positif, les gens se plaignent. Et cela est très grave et très dangereux. Allah nous dit, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. C'est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, alors il a rendu vaines leurs œuvres. Leurs œuvres ont été rendues vaines, leur jeûne a été caduc, leur prière ne valent rien, parce qu'on déteste, ils ont détesté ce que Allah a fait descendre. Le jeûne est une miséricorde. Le jeûne est
est un mois, le mois de Ramadan, est un temps qui nous permet tellement de nous élever, c'est un temps qui nous permet tellement de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama yawman fi sabilillah ba'ad Allahu baynahu wa bayna an-nar 70 kharifan. Écoutez ce hadith incroyablement important du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: celui qui jeûne une journée recherchant la face d'Allah azzawajal, sincèrement pour Dieu, alors Allah va éloigner son visage du feu 70 années pour une seule journée, que le jeûne soit obligatoire ou surérogatoire, comme le lundi, le jeudi, le jour de Arafat, le jour de Ashura, les 3 jours blancs. Voilà, et donc c'est une mine de bonnes actions, le mois de Ramadan. Les actions sont multipliées, les diables enchaînés, tout nous a été facilité pour faire le bien, pour nous rapprocher d'Allah, pour le remercier, pour montrer notre gratitude. Donc voilà, ya bari al khayri aqbil wa ya bari al sharri aqsir. Ô toi qui veux faire le bien, c'est le moment de faire le bien. Ô toi qui veux faire le mal, alors retiens-toi du mal. Ya man lam yakfihi al-dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu shahra sha'bani. Ô toi qui n'a pas cessé de faire des péchés au mois de Rajab, qui est le 7e mois lunaire, pour continuer de faire également des excès, de commettre des excès et des péchés au mois de Sha'ban, qui est le 8e mois. Laqad adallaka shahru siyami ba'dahuma fala tusayyiruhu kadhalika shahra isyani. Le mois de Ramadan est venu après ces deux que je viens de citer, alors fais en sorte qu'il ne soit pas identique à ces 2 mois, c'est-à-dire des mois de passer dans la désobéissance, dans les mauvaises actions. Fala tadlimu wa la tadlimu anfusakum, et ne soyez pas injuste avec vous-même. Comment être injuste avec soi-même? C'est en commettant des mauvaises actions, c'est de vivre dans les mauvaises actions, c'est de ne faire aucun effort pour changer, aucun effort pour s'améliorer, aucun effort pour aller de l'avant, aucun effort pour ouvrir une nouvelle page avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et il suffit de savoir que Allah est heureux lorsque quelqu'un ouvre une nouvelle page avec lui, souhaite se repentir, souhaite revenir à lui. Cela est suffisant pour motiver celui qui ne se motive jamais en réalité. Subhanallah il-Ali l'Azim. Et donc, on ne peut détester le mois de Ramadan. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Allah ne nous a pas donné les prescriptions qu'il y a dans le Coran, parmi elles le jeûne, pour être malheureux. Bien sûr, le mois de Ramadan, il a besoin d'une certaine endurance. Là, on est confiné. On ne fait pas beaucoup d'efforts, peut-être que la faim ou la soif du moins, seront moins intenses que les années précédentes. Mais tout de même, on aura faim, on aura soif. Et alors, où est la patience? Où est l'endurance? Où est toutes ces vertus? Le mois de Ramadan est un mois où Allah Azzawajal, en réalité, nous donne de multiples cadeaux. Nous entraîner à la patience, nous entraîner à prendre cette conscience que Allah nous observe. Voilà, on peut manger en cachette, on peut boire en cachette. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que il y a dans le cœur cette piété, il y a dans le cœur cette taqwa, il y a dans le cœur cette lumière qui nous empêche de faire cela. Donc, oui, on patiente. On a besoin de patience pour faire le bien, comme le mois de Ramadan. On a besoin de patience pour éviter le mal, pour ne pas tomber dans les tentations, pour ne pas répondre aux sirènes des désirs et des mauvaises actions. Et donc, oui, on s'entraîne également à être patient pendant le mois de Ramadan. Et donc, le croyant vit ainsi. Au mois de Ramadan, en étant persuadé que Allah, subhanahu wa ta'ala, par le biais du jeûne, veut le purifier,
Il veut lui enseigner des vertus, veut lui enseigner de bonnes choses qui feront son bonheur dans cette vie et qui feront son bonheur dans l'au-delà. Et donc, le mois de Ramadan, en plus d'être une école avec tous les enseignements qu'il y a, le mois de Ramadan est également un temps pour nous-mêmes. Pour faire une muhasabat al-nafs, une introspection sincère, voilà, se poser des questions. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah? Où est-ce que j'en suis avec les bonnes actions? Est-ce que je me suis amélioré depuis l'année dernière? Le mois de Ramadan est un temps également pour sa famille, pour ses proches, renouer et avoir une nouvelle relation avec ses. Avec son les personnes qu'on aime le plus. Et le mois de Ramadan est un temps pour justement se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait d'ignorer toutes ces choses, toutes ces notions nous conduit justement à ce que j'ai cité tout à l'heure, croire que c'est une action insurmontable, que c'est difficile, que ça va me rendre la vie difficile. Un proverbe dit, et l'ignorant est l'ennemi de lui-même. Celui qui ignore tout d'Allah Azzawajal va ne va pas aller de l'avant. Un homme a été questionné. Ou alors il a un bédouin a demandé à un compagnon, il lui dit, Man yuhasibuna yawm al-qiyama? Qui va nous juger le jour dernier? Et le compagnon de répondre, c'est yuhasibuna Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Ibn Abbas. Alors le bédouin, et les bédouins sont connus pour étant des gens isolés, des gens qui n'ont pas de culture, qui ne sont pas, voilà, qui sont. Loin des gens, alors ils ne savent pas beaucoup de certaines choses qui nous semblent évidentes pour nous. Alors, et lorsque la réponse fut, c'est Allah qui va nous juger, le jour dernier, il dit, Ma alimna minhu illa al-khayr. On a connu de lui que le bien, Allah tabaraka wa ta'ala. On a connu de lui que le bien. Vous voyez la confiance et la sérénité de cette personne. C'est pour cela. Il y a un proverbe qui dit, on a demandé au bonheur, où es-tu? À quel endroit on peut te trouver? Et le bonheur de dire, dans le cœur de ceux qui sont satisfaits. Fi qulubi ar-radina billahi tabaraka wa ta'ala. Allahumma radayna bika ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Et je termine peut-être cette citation concernant Allah tabaraka wa ta'ala et le fait d'ignorer ou alors de méconnaître sa grandeur, sa beauté et la grandeur de ses bienfaits. كيف العقل يجهله, comment la raison peut-elle l'ignorer? وكيف القلب ينساه, et comment le cœur peut-il l'oublier? وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, depuis de nombreuses années, chaque soir du mois du Ramadan, la grande mosquée de Reims profite de ces moments de partage et de solidarité pour perpétuer la tradition d'assurer la préparation et la distribution collective de repas de rupture de jeûne pour les démunis, les nécessiteux et les étudiants isolés. La crise sanitaire actuelle, incluant toutes les précautions de sécurité, nous oblige à revoir notre mode de fonctionnement habituel et à opter pour une distribution individuelle de colis alimentaires lors de ce mois sacré de Ramadan. Nous avons donc mis en place un colis iftar comportant l'essentiel des denrées nécessaires pour une semaine. Une distribution hebdomadaire est organisée tous les samedis. Comme chaque année, la Grande Mosquée de Reims a besoin de votre soutien, de votre solidarité et de votre générosité pour offrir la possibilité aux jeûneurs de rompre leur jeûne dignement. Pour participer à cette action, vous pouvez soit offrir la valeur d'un colis dont le montant est estimé à 20 euros, ou prendre en charge la partie
de l'action journalière Iftar, dont le montant est estimé à 800 euros. Une permanence physique est organisée tous les jours de 18h à 20h au parking de la Grande Mosquée de Reims. Nous vous remercions toutes et tous d'avance pour votre solidarité, votre générosité et nous vous souhaitons de passer un excellent mois de Ramadan, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'izzai al-mustami'in, qad hana waqtu adhani salati al-maghrib hasab tawqiti madinat Reims wa dawahiha. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.